Bah, j'avais coupé pour être seul avec moi-même, profiter du décor, quoi. Je me laisse dériver depuis quelques minutes déjà, ça fait du bien. Je vais avancer maintenant un petit peu. Vous voyez le pont du chemin de fer là, ben, c'est bien que je suis parti. Je ne suis pas allé très loin. Mais... Oh, un autre hydravion. C'est vraiment des vieux coucous. Hein. On entend hein. Le moteur et tout ça là. Tu te dis, c'est du vieux modèle. Alors là, il y a quelqu'un qui a planté une tente. Voilà. C'est un parc, ça. Je connais pas ce coin à gauche. Ça, c'est le gars, il a la tête. Ah ouais, il y a bien une tente. Il plante sa tente au bord de la route. Ouais, c'est une tente de porte. Ah, je sais pas si vous avez compris, mais je suis de l'autre côté là, de la rivière. J'ai l'impression de traîner de la merde sous la dérive. J'ai l'impression de forcer. Oh merde, ça me fait voler. Les trucs sur mon camion. Ah, l'eau elle est pas froide. Dommage qu'elle soit pas belle. Parce qu'elle est pas froide. Bon, quand on a fait le sentiment que c'est pas très profond par ici. On va s'essayer. Et ben voilà. Du caillou.
Le problème, c'est que je vois rien, l'eau est tellement trouble. Alors, je vois pas, c'est. Je vois rien. Donc là, du côté de l'autoroute à gauche, là, c'est vide, hein. Il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Peut-être un parc ou une réserve naturelle, je ne sais pas, je m'en renseignerai. Mais c'est tranquille. À part le bruit de l'autoroute, évidemment, mais là, on ne peut pas tout avoir. Hein. Alors moi je suis venu de la droite là-bas et je vais passer par la gauche, faire le tour par la gauche. Voilà. C'est une petite balade quoi. En espérant de ne pas rencontrer trop de courant qui me bloque. Alors ici je vais trouver des vagues encore, mais à gauche normalement je devrais en trouver moins. Ils ont l'air de vouloir aller plus vers la droite, ce qui m'arrange bien d'ailleurs. Ah, je prends une photo, c'est trop beau.